va dormir avec moi. On dort ensemble ce soir, je te préviens. Je suis en train de te mettre du fond de teint. C'est pas grave. Tu t'aimes déjà? D'accord. Tu vas voir, j'ai une grande famille avec plein de doudous et je dors avec eux assez régulièrement. Enfin, pour certains. Parce qu'il y en a assez, non, ils restent en étagère parce qu'ils sont trop beaux. Et toi, tu vas dormir avec moi. Max, Mister Max. Tu me fais penser que j'ai un grand frère maintenant du nom de Max. Et bah, tu seras doudou, grand frère Max. Non, si c'est pas Max, c'est mon grand frère. Tu seras juste Max. Il y a Max et grand frère Max. Du coup, on m'a perdu. On m'a perdu. Il est trop mignon. Peut-être que je fais les autres vidéos. Tu crois que je fais les autres vidéos, Max? Non, non. On fait câlin d'abord. On fait câlin. Viens. Je sais pas quelle heure il est. 13h25. Oups. Il est pas filmé déjà. Yahoo Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Petit collier normalement de Chigiri de Blue Lock en version chibi. Il y a une autre version que j'ai fait du coup, c'est en forme de un peu triangle ou d'étendoir, je ne saurais pas trop expliquer. Bref, toujours est-il, aujourd'hui on se retrouve pour le colis numéro 2 et le colis numéro 3 de l'abonné Chris. Si tu ne te rappelles pas, c'est un abonné qui m'avait fait un énorme colis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de créations en perles de Hama. Ça y est, ça te revient, il n'y a pas très, très longtemps. C'était juste après la Japan Expo Sud, parce que je l'ai reçu pendant la Japan Expo Sud. Entre-temps, il m'avait envoyé un deuxième colis. La vidéo a disparu, donc je me suis dit que j'allais trop montrer vite fait les objets dont je me rappelle. Voilà, et te présenter le troisième colis que j'ai reçu du coup là, alors le jour où je filme, on est le 15 juin, je l'ai reçu du coup, on est jeudi, la semaine dernière, voilà. Dans la précédente vidéo, dessus, il y avait ce t-shirt de Clamp, c'était une offre, je pense, promotionnelle ou un truc comme ça, voilà, dans les tons un peu, bah, c'est la couleur que tu vois, voilà, voilà. En taille M, je suppose, parce que ça doit être la taille standard là, des t-shirts comme ça. C'est Get Set de Clamp. Get 7. Voilà. Ensuite, il y avait surtout cette figurine qui est un repose télé, manette console de Halo avec le Master Chef, vu que c'est... Voilà, hein, je l'ai de tatoué, c'est le jeu vidéo qui a marqué ma vie. C'est le jeu vidéo pour lequel je serais capable de très clairement de vous foutre un vent pour donc par exemple une semaine le temps de torcher une nouvelle version. Oui. Oui, oui, moi qui n'ai pas joué à la console depuis que j'ai commencé YouTube, donc avril 2014, que je n'ai même pas de jeu sur mon téléphone parce que je ne prends pas le temps pour YouTube et pour les autres réseaux sociaux. S'il y avait un nouveau Halo et que je suis au courant, je serais capable de vous foutre un vent pendant une semaine pour jouer. Mais après, j'ai pas les dernières consoles, donc bon, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, j'en serais capable. Ensuite, à la base, ce colis était juste... J'insiste sur le juste pour m'envoyer ceci, qui est une création en perles de Hama avec, du coup, Edwidge et l'enveloppe. J'avais trouvé ça trop stylé et j'avais dit, du coup, oh bah tiens, je le mettrai sur ma porte de mon appartement. Ça fait plus d'un mois que je l'ai. Hein. Je l'ai même eu avant de déménager, je crois bien. J'ai pas pris le temps. Mais pour ma défense, il y en a pas mal d'autres que je veux mettre dans mon appart et j'ai rien mis encore. J'ai tout juste mis la carte postale déjà que m'avait envoyé une abonnée. Donc voilà. Ensuite, cette petite illustration de bol de ramen, voilà, avec les baguettes. Oui, là aussi, ça s'est encore cassé sa gueule. Voilà. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès de, entre parenthèses, le casser là, ou alors essayer de recoller. Mais sinon, je vais essayer de casser le petit bout là pour que ça soit, tu vois, symétrique. Ça, je sais où je vais le mettre. Voilà, très clairement. Et ensuite, j'ai eu une petite Miku. Voilà, parce que bah,
Je crois que c'est parce qu'il a compris que j'aimais bien Miku en figurine, etc. Et que je dois faire quelques cosplays de Miku. Non, je ne complexe toujours pas de mes bras. C'est pas vrai. Un complexe, c'est dur à enlever, même quand on a fait les opérations qu'il faut, et etc. Et ensuite, il avait vu ceci. Et il a craqué. C'est donc un puzzle de 500 pièces avec une illustration de panda. Donc, ce que j'envisage, très clairement, c'est de le faire et de le coller pour que ça fasse une illustration. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était de sûr ce qu'il y avait la dernière fois. Je ne me rappelle pas de tout, parce que très clairement, il m'a déjà beaucoup envoyé beaucoup trop de choses. Et on va ouvrir le dernier colis. Et bien entendu, de base, c'était pour un truc. Mais... juste déjà en trimballant le colis d'en bas à l'étage, j'ai entendu des trucs dedans. Donc, je te préviens, le carton est immense. Voilà, il ne rentre pas dans le cadre de la... Par contre, je tiens juste à dire, le colis, je ne sais pas quelle cause tu utilises, mais en fait, c'est ça qui a fait que mon papa savait... Alors, c'est juste une petite anecdote, c'est que je savais que j'avais reçu le colis et mon papa avait donné l'information à ma maman que c'était un colis avec un doudou. Enfin, un ours en peluche, enfin un doudou. Et je me suis dit, merde, c'est que papa a ouvert le carton, le colis. Et non, en fait, c'est que le... Voilà, donc on peut voir à travers et on peut voir qu'il y a des trucs dont... Une peluche, ça je le savais, la peluche, mais je savais pas pour le reste. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai pris mon ciseau de maternelle, sauf qu'en ce moment il ne coupe plus. Faut que je fasse quelque chose, je sais plus, pas trop ce qu'il faut. J'en parle à mon père, je lui dis : Papa, mon ciseau il marche plus, tu peux m'aider ? Voilà. En même temps, c'est un ciseau de maternelle et c'est celui que j'ai depuis le début de ma chaîne YouTube. Donc à un moment donné, il a fait des cartons. Hein. Tu vois, ça s'enlève tout simplement aussi. Donc bon, voilà. J'ai juste compris qu'il y avait plein de choses, mais je... Voilà. Alors, ça, ça. Alors, j'ai... Je vais poser le carton, j'essaye juste de ne pas vous frapper avec. Voilà. Tada! Tada! Oh, je vais dormir avec. Oh, je vais dormir avec ce soir, je crois. Donc, tout simplement, l'abonné Chris, dès qu'il voit des trucs, des fois, qui lui font penser à moi, m'envoie des photos. Et il m'avait montré, en fait, que je crois que c'était à Auchan, il y avait, du coup, des doudous comme ça, pas très chers et grands. Et en fait, il me montre une photo avec plein de titres de doudous. Je crois même qu'il y avait un chien. Il n'y avait pas de panda, mais il y avait des ours aussi de plein de couleurs. Et je ne sais pas pourquoi, à travers la photo, j'ai eu un coup de cœur pour un doudou en particulier. Et j'ai fait, oh le doudou gris là, en bas, machin et tout. Je l'avais même entouré pour lui montrer. Il est trop cute et tout, il avait trop une bonne bouille. Donc du coup, bah, j'étais trop contente. Oh, il est trop mignon. Il est doux, il est... Il est trop doux. Voilà, on m'a perdu de toute façon. Donnez-moi un doudou et je suis mort. Moi, il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus rien. Par contre, il va falloir que je te remette dans le carton parce que sinon, je ne vais pas arriver à me concentrer. D'accord ? Vu ton étiquette, tu tapes la marque, c'est Max. Oh, c'est trop bien ! Ils ont utilisé 27 bouteilles de 500 ml. En recyclé pour faire le doudou. Mais c'est trop bien ça. Et du coup, vu qu'il y a Max et Sax décrit, je pense que tu vas t'appeler Max. Voilà, je vous présente Max du coup. Bref, tu te caches. J'ai repris le carton et on va donc découvrir ensemble les à côté qui étaient absolument pas prévus parce que moi j'avais juste accepté qu'il m'offre la peluche. Voilà, j'en ai marre. Bref, 10 minutes pour un doudou. On va peut-être aller un peu plus loin. Monsieur, madame, les histoires à écouter. Monsieur chatouille. Je crois que ça va être un peu comme les DVD où il a mis des cadeaux conneries. Mais ça, en fait, il faut savoir, j'aime bien moi les monsieur... Enfin, les histoires de monsieur, madame.
Bon, par contre, c'est très très genré, hein. Voilà, monsieur, madame, il n'y a pas d'entre deux, je crois pas. Mais ça, c'est plutôt cool, parce que très clairement. Ensuite, on a le Roi Lion, les grands en BD classiques. Oh, oui, une petite présentation de tout le monde devant. Ah, je savais pas son nom. La maman, je pense, de Simba. Je savais pas du tout son nom. Donc là, il y a le nom d'écrit. Oh, il y a tous les personnages. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est en version BD. C'est le film version BD. Oh, c'est trop bien. Ah oui, les grands classiques en version BD. Oh, mais c'est trop bien. On a perdu. En plus, le Roi Lion. Les trois personnages que j'aime le plus dans les Disney, dans les créatures, c'est Simba, Stitch et Mushu. Enfin, c'est pas dans le bon ordre de préférence, c'est même pas dans le bon ordre d'apparition. Mais voilà. Et après, en princesse, j'adore Belle, principalement dans sa tenue bleue ou quand elle possède un livre aussi, ça aide. Voilà. Mais Belle, c'est ma princesse préférée. Et après, sinon, c'est Ariel que j'adore. C'est quoi? C'est un chiquichi, mais je vois de trois mousquetaires. Ok. Bon, c'est stylé le dessin, mais je vois pas trop ce que c'est. Ça doit être le mangaka qui a dû passer à Pau, je suppose. Je sais pas. Aucune idée. J'aperçois un autre truc panda. Je vais me fâcher. Par contre, j'aperçois ça. Ça, tu dis trop joie, les peps. Ici, Sébastien. À savoir que... Là, j'avais... Alors, je sais plus, il y en avait un, c'était moi, je crois qu'il l'ai acheté. Et un autre, c'est lui qui me l'a offert, un truc comme ça. Mais je collectionne, en fait. Mon rêve, c'est d'avoir les toutes petites étagères, là, qu'il y a Ikea, là. C'est toutes petites plaques. Et de pouvoir mettre, en fait, dans mon chez-moi. Mais bon, je peux pas le faire à Bordeaux, là, à Pandaland. Et en fait, de mettre toute ma collection et les ranger par ordre couleur. Voilà. Alors, attends, on va sortir ça, déjà. Hein, parce que si je le remets dans le carton... On n'a pas fini. J'aperçois un badge. Oh, un badge d'Ététique Conan. Il est trop beau. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Mais il est trop stylé. J'adore. D'Ététique Conan, c'est ma vie. Ensuite. Un petit verre tantalon avec une petite paille en plastique. Il est trop mignon. Il est trop kiki. Oh, je vais boire mon goumougou de... Oh là, je vais boire mes bubble tea dedans, à Bordeaux. Ou chez moi, ici. Enfin, je sais pas trop. Mais j'aime bien. Il est trop mignon. Je sais même pas si je vais arriver à l'utiliser, d'ailleurs. Hein, soyons honnêtes. Mais il est trop chou. On le voit pas vraiment. Tant pis. Mais il est là. C'est le principe. Ensuite, Polochon! Je suis refait. Je suis refait. J'ai Sébastien Polochon. Et après, c'est... Ah non, il y a encore. Spider-Man. Oh, trop cool. Trop cool, Spider-Man. Ensuite. Ah, quand même, je me disais. Du coup, c'est le badge que j'avais entendu rouler. Il y a la petite figurine qui va avec. Pour les histoires de... Voilà. J'ai perdu le nom. Monsieur, madame. Voilà. Ah, cette fois-ci, il y a une lettre. Ça m'énerve. La dernière fois, j'avais un peu râlé en disant « Oui, mais j'aime bien moi quand il y a une petite... » Être assis en tailleur dans... Être assis en tailleur sur une chaise, ça fait très mal. Et donc, je disais, la dernière fois, j'avais dit, ouais, c'est dommage, en fait, il n'y a pas de petites lettres, parce que j'aime bien quand il y a un petit mot des abonnés qui va avec. Alors, déjà, on a une planche de stickers. C'est une stickers à vêtements, c'est quoi? Autocollant en feutrine, en fait. Non, d'accord, c'est des stickers. Ok, des licornes. Des licornes, c'est trop mignon. Ah oui, moi, vous m'avez perdu là. Moi ah oh. Alors.
trop bien. Il avait mis en pâte à fixe et tout pour dans le la carte pour protéger. C'est un verre de bubble tea. Avec du brown sugar et je pense que c'est même un bubble tea. Un truc comme ça. Trop cool. Je voulais m'acheter une peluche bubble tea mais j'ai toujours pas fait. Il y a 3 ou 4 peluches qui me plaisent en bubble tea. Mais elle est trop stylée. Ça par contre je vais le ramener là, dès que je retourne sur Bordeaux. Ça c'est clair et net. Voilà. Alors, il y a une carte postale. Anniversaire. Ok, happy birthday. Avec des ours. Il y a des ours blancs, des pandas roux, des ours bruns. Il y a même un grizzly. Et elle est un peu en mode holographique. Je sais pas si on verra très très bien. Ours blanc, grizzly, si je dis pas de bêtises, panda roux et ours brun. Ce qui est drôle, c'est que si ça c'est bien un grizzly, Pika est un grizzly. On a dit que c'était un grizzly. Voilà. Ou alors c'est l'ours noir, je sais pas trop. Après, le côté holographique me pique les yeux. Parce que je pense que c'est parce que je filtre ou quoi, mais je sais pas, ça me. Ah, il y a vraiment un côté profondeur en fait. C'est trop bien. Ils me font flipper parce que j'ai l'impression qu'ils vont sortir du cadre. Alors vous êtes très mignons, mais je ne suis pas sûre que vous avoir en vrai soit une bonne idée. Merci pour ta... cher fan de manga et otaku, je tiens à t'envoyer ce colis, celui dont de ton anniversaire sera moins gros, mais te fera plaisir. Merci à toi d'être ce que t'es, je suppose. Et après, il y a une partie que je ne vais pas lire parce que ça reste du perso. Merci de ta patience, monsieur l'influenceur manga, RIP, mon porte-monnaie, j'assume 3 hentai achetés et d'autres mangas de plus que des goodies. Bonne journée à toi et si personne te le dit encore aujourd'hui, souris, trépasse, un monstre, tu n'es pas un monstre et ton cœur est sur la main, ne laisse pas les cons. Je te laisse pas pousser par les cons, je pense, un truc comme ça. En tout cas, merci et ça me fait plaisir enfin d'avoir une petite lettre avec. Et donc, on a encore des perles de Hama. Voilà. Oh, Ronflex. Ok. Je sais où je vais te ranger, toi. Je sais où je vais te mettre. Oh, Ronflex avec sa pomme. Oh non, trop mignon, le petit Ronflex avec sa pomme. Voilà, donc lui, toi tu pars avec moi à Bordeaux. Ça c'est clair et net. Le bubble tea aussi. Bon après, il faut aussi que je m'occupe de Edwidge. Je sais. Alors, hop. Ensuite. D'accord. Power de Chainsaw Man. Car oui, je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, mais j'envisage de faire Power en cosplay. Chris était au courant. Et en fait, je compte la faire en cosplay en octobre ou septembre, je ne sais plus, pour une convention à Rouen. Je serai à la convention de Rouen, qui est en fin d'année, en Power, et avec un ami, et on sera en groupe du coup Chainsaw Man. Voilà, la petite Power, et elle est canon. Par contre, j'ai pas compris moi pourquoi des fois je la vois avec une autre veste d'une autre couleur alors que moi dans l'animé je l'ai vu qu'avec cette couleur là. Voilà, si quelqu'un a l'explication. Ah bah oui, il nous manquait Ariel. Comme ça on a le trio complet et on a Spider-Man. Je suis en train de regarder les bonbons qu'il y a avec. Et donc là, on a un panda qui a l'air très très cute. Oh, il est canon. Et c'est bon, là j'ai mon cadeau d'anniversaire. Hein. Il me va très très bien. Hein. Vous l'apercevez un petit peu. Ok. J'ai pas les mots. Là, il n'y a rien qui sort. Que je te regarde dans le bon sens, quand même. Waouh. Juste canon. Juste trop beau.
ça derrière moi pour faire mes vidéos YouTube, ça va envoyer du pâté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il va finir derrière moi pour mes vidéos YouTube. Et c'est sa place, hein. On est d'accord, c'est sa place. Je vais pas le mettre sur ma porte... Quoi que devant ma porte... Non. Faut qu'il soit vu quand même par plus de monde possible. Ah, il est calme. Oh, j'en peux pas. Il est beau, il est beau. D'ailleurs, en ce qui concerne, pour ceux qui auraient vu mes vidéos, du coup, à Pandaland, l'illustrateur, du coup, qui a fait Nana Hachi et que moi, j'ai Hisoka, j'avais laissé une place pour Chin, il a fait aussi Yasu, du coup, de Nana. Donc, je pense que je vais m'acheter les deux illustrations prochainement. Après, quand, je sais pas trop, parce que... Voilà. Mais ça sera à prévoir. Et donc, oh là là, il est trop beau. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je vais vérifier s'il ne restait pas un truc au cas où que je me fasse pas engueuler. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like, mon commentaire ou mon partage. Précédente vidéo, ouverture du colis du coup de Christian numéro 1, la playlist des colis abonnés je pense, un truc comme ça. Tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Nos réseaux sociaux, le compte Vinted pour tout ce qui est univers, manga. Et sur ce, à bientôt !